Madame, monsieur, bonsoir. Eh bien, si vous avez misé sur le soleil, vous avez gagné. Il sera présent non seulement demain, mais aussi lundi avec des températures qui vont se réveiller, c'est-à-dire qu'elles vont grimper. Et oui, voici pourquoi sur notre animation satellite, vous allez voir que les nuages s'éloignent, il y en a de moins en moins. En fait, voici la situation. Deux acteurs sont en présence, un anticyclone sur le nord du pays et des remontées d'air chaud et orageux depuis l'Espagne. Autant vous dire tout de suite que c'est l'anticyclone qui sera le plus fort. Voici le résultat, une carte largement ensoleillée pour demain avec quelques cumulus de beau temps sur le nord-est, sur le nord des Alpes et sur la Corse. Le ciel progressivement se voilera le long de la façade atlantique et puis le soir, des orages seront à craindre sur l'extrême sud-ouest. Les températures vont rester un petit peu fraîches en matinée. Les voici, elles vont s'échelonner de 2 degrés à Reims jusqu'à 15 degrés à Nice tout de même, en passant par 7 à Bourges par exemple. Dans la journée, elles vont donc grimper pour être tout à fait agréables. 15 degrés à Cherbourg, 21 à Paris, 21 à Clermont-Ferrand, à Lyon, à Grenoble, 24 degrés à Bordeaux et à Nîmes dans les arènes. Si vous passez les frontières, vous retrouverez beaucoup de soleil, notamment à Dublin, à Prague, à Genève, à Oslo aussi, ainsi qu'à Rome avec des températures élevées, 26 degrés à Rome. En revanche, à Madrid, 26 degrés aussi, mais une tendance donc orageuse. Eh bien, je vous rappelle que demain, nous serons le dimanche de Pentecôte, que le soleil se couchera à 21h33. Et voici, bonne soirée à tous, à demain.